La grandeur commence avec une vision. Donc si tu veux prendre le chemin de la grandeur, mean if you want to take a way of greatness, tu dois commencer d'abord par avoir une vision. D'autres termes, in other words, l'habileté de voir dans le futur. Ability to see the future. Je ne suis pas en train de parler sur une prophétie. I'm not talking about a prophecy here. Je ne dis pas que vous devez devenir un prophète. I don't mean that you have to become un a prophet. Voyant. Or a variant. Mais je dis, c'est cette capacité-là d'arriver à voir les choses, à anticiper les choses qui peuvent venir. But it's this capacity to see things that will come into the future. Si tu es ici, if you are here, et tu penses, did you think, à quelque chose dans le futur, onto something, onto the future, tu dois déjà commencer à avoir une image de cela. You gotta start having an image of it. Je vais simplifier cela. I'm gonna make it simple. Tu as besoin de construire une maison. You wanna build a house. Tu dois déjà avoir une vision de cette maison-là. You need a vision of that house. J'aimerais que cette maison-là ait 2, 3, 4 chambres. Cela dépend I want de toi. That house to have 2, 3 or 4 bedrooms. J'aimerais qu'il y ait un couloir. I need a corridor. Entre les chambres. Between. J'aimerais que la chambre soit dans la chambre. I want the bathroom to be in the room, I mean, the bedroom. Est-ce que la maison est déjà là? Is the house there? Non. Not yet. Mais est-ce que tu as déjà l'idée de la maison? But do you have an idea of the house? Si on te dit de dessiner cette maison, pourras-tu la dessiner? If they tell you to draw a house, then are you going to be able to draw it? Pourquoi? Parce que tu as déjà une idée de ça. Yes, because you have an idea of it. Et Abraham aussi reste là-bas. Abraham dwelt over. C'est alors que Dieu va venir pour lui dire. Then God come to tell him. Non, non. No. Toi, tu dois quitter. You gotta leave. Tu dois aller. Ça, nous sommes dans Genèse 11. We are in Genesis 11. You gotta leave. Genèse 11, le dernier verset, c'est là où Terak meurt. Verse 11, the last verse. Et chapter 11, last verse, where Terak died. Et dans Genèse 12. In Genesis 12. C'est là où Dieu maintenant vient voir Abraham. Thereby God come to see Abraham. Et Dieu lui dit. God told him. Ne reste pas ici. That don't stay here. Dans la maison de ton père. In your father's house. Va. We gotta go. Parce que je ferai de toi une grande nation. Because I'm gonna make you a great la nation. La vie de ton père est finie. The life of your father is finished. Toi maintenant, je commence avec toi une nouvelle nation. I gotta start a new nation with you. Je ferai de toi un grand homme. I'm gonna make you a great man. Il avait des serviteurs. He had a servant. Ils avaient des brebis. They had a flock. Et il devait normalement et naturellement voyager avec tout ce monde qui était avec lui. They really had to travel with everybody living with him. Laissez-moi parler de Lot. Let me talk about Lot. Parce que beaucoup de fois, because most of time, nous les prêchons et nous les disons, we preach and say, Abraham avait fait une erreur d'aller avec Lot. That Abraham made a mistake to go with Lot. Le problème de Lot n'était pas le problème d'Abraham. Lot's problem wasn't Abraham's problem. Hello? Ce n'est pas Abraham qui avait choisi de partir avec Lot. It's not Abraham who chose to go with Lot. Si vous lisez votre Bible, if you may read your Bible, Genèse 12, Genesis 12, entre versets 2 ou 3, 4, verse 1, 2 la Bible or 4, dit que Lot alla avec Abraham. Double say, Lot went with Abraham. Donc il y a deux raisons qui ont poussé que Abraham puisse aller avec Lot. Two reasons that push Abraham to go with Lot. La première raison, the first reason, Lot avait demandé d'aller avec Abraham. Lot asked to go with Abraham. C'était un enfant orphelin. He was an orphan. Quelqu'un devait le prendre. Somebody had to take him. Allô? Allô? Donc Abraham était dans l'obligation de prendre son neveu. Which means Abraham was obligated to take his nephew. Parce que la personne qui prenait soin de lui est morte. Because the one who was taking care of him, son died. Père était mort. His father died. La Bible ne parle pas de sa mère. The Bible doesn't talk about his mama. Alléluia. Amen. Deuxième raison. Second reason. Deuxième raison. Second reason. Qui a fait que what's made Abraham puisse accepter Lot. Abraham to accept Lot. C'est dit que ce n'était pas le problème d'Abraham. I said it was not Abraham's c'était problem. Le problème de Lot. It was Lot's problem. Quand quelqu'un est béni, when somebody is blessed, écoute-moi bien. Listen to me. Quand le Seigneur te parle, when the Lord speaks unto you, il te dit que je t'ai béni et je ferai de toi grand. Telling you that I'm blessing you, moi, I will make you great. Je suis à côté de toi. I'm on your side. J'entends cela. I'm listening unto it. Je ne te laisserai pas. I'm never going to let you go. Hello? Hello? Si quelqu'un a Dieu, if somebody has si God, quelqu'un a la grâce de Dieu, if somebody has God grace, ne le laissez pas. Don't let him go. Il faut aller avec lui. You gotta go along il with faut him. Le suivre. You gotta follow him. Il a quelque chose. He has something. Et puis en plus, Dieu lui dit, and God
told him, je ferai de toi une bénédiction. I'm going to make you a blessing. Oh, si vous sentez que dans cette personne-là, you should feel that in this person, il a la grâce de Dieu. He's got grace. Il a quelque chose de la part de Dieu. He's something from God. Attachez-vous à lui. You gotta hook up to him. Vouloir ou pas, because like it or not, vous êtes avec lui, as you are with vous him, bénéficiez de sa grâce. You're going to benefit from his grace. Ce n'est pas l'erreur que Abraham avait fait, mais c'est l'erreur que Lot avait fait. It's not the mistake that Abraham did, but Lot did. Avait fait, the mistake that Lot did de se séparer avec was to separate himself from Abraham. Abraham ne l'avait pas chassé. Abraham never chased him away. Ce sont ses serviteurs qui venaient vers le serviteur d'Abraham pour dire que non, notre espace est petit. It was his servant coming to Abraham's servant saying that our space is too small. La Bible nous montre. The Bible is showing us que quand Lot est parti, that when Lot went, il a eu des problèmes difficiles. He had hardship. Pourquoi? Why? Il s'était retiré de la source de bénédiction. Because he pulled himself away from the source of blessing. Sa bénédiction dépendait d'Abraham. His blessing was depending on Abraham. Il s'est séparé d'Abraham. He pulled himself away from Abraham. Mais il faut faire attention. But like, we gotta be careful. Dans la vie, in life, il faut pas vous séparer d'avec les gens qui sont bénis. Don't you separate yourself from blessed people. Je ne parle pas d'argent seulement. I'm not talking about money. Il y a les femmes qui ont laissé leur mari. There are women who left their husband. Et pourtant leur bénédiction dépendait de leur mari. While their blessing depends on those men. Il y a des hommes qui ont laissé leur femme. There are men who left their wife. Leur bénédiction dépendait de while their blessing depends on those women. Il y a des gens qui ont quitté leurs églises. The people who left their church. Et pourtant leur bénédiction dépendait de their blessing depends on the church. Il y a des gens qui ont quitté. The people who left leur lieu de travail. Their working place. Pourtant leur bénédiction était attachée à ça. While their blessing were avant depending de on that quitter, place, before you leave, demandez la volonté de Dieu. You gotta ask for God's will. Un homme de la grandeur, meaning that a man of greatness, un homme de vision, man of vision, doit être un homme de décision. It should be a man of decision. Advienne que pourra. No matter what happens, difficulté, no matter the difficulties. J'aime les scientistes. I like scientists. Ils commencent quelque chose. They start something. Même s'ils vont pas terminer cela. Even if they don't finish it. L'essentiel. The most important things. Les gens qui viendront après moi. People are going to come after me, they're going to continue it. Et vous savez ce qui nous tue? You know what kills us? Nous devons acheter l'église. We need to buy a church. Ah, quand nous rentrons au Congo, qui restera avec l'église? When they go back to Congo, we're going to stay with the church. Des gens comme ça. People like that. Ce sont des gens qui ne vont jamais dans la grandeur. The people who are never going to go unto greatness. Parce que même si tu lui dis, because if you tell him, achète une maison. Buy a house. Ah, le jour où on me chassera de cette maison. They're going to kick me out of here. I'm going to leave my house behind. Un homme de la vision. A man of a vision. Un homme qui voit la grandeur. A man who sees the greatness. C'est un penseur. Is the person who think. Un penseur. Is a thinker. C'est quelqu'un qui se met dans la méditation. The thinker is the person who meditates. C'est quelqu'un qui questionne chaque chose. He is a person who question everything. C'est quelqu'un qui fait des recherches. The person who does research. C'est quelqu'un qui veut toujours savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux. The person who always want to know what can I do better.